The President, please be seated. The chamber is now back in session. Nous reprenons l'audience. Judges of the bench, do you have questions to be put to these two experts? Judge Lavange, you take the floor. Oui, bonjour professeur. Good morning. Bonjour madame professor. Good morning. Merci d'être venu de si loin pour rapporter les résultats de votre expertise psychiatrique, enfin plutôt psychologique, concernant l'accusé. Je voudrais revenir tout d'abord sur le but de cette expertise. Vous avez indiqué dans votre rapport que vous avez expliqué à l'accusé quel était le sens de cette démarche. Vous lui avez dit, si je ne me trompe pas, qu'il s'agissait de procéder à une analyse du parcours de vie d'un individu pour mieux le connaître et comprendre le cas échéant, les liens qui peuvent exister entre lui, entre cet individu, et les actes qui lui sont reprochés. Vous nous avez également indiqué que cette expertise se situait dans un cadre un peu particulier, qui est dans le cadre d'une affaire où il est question de crimes contre l'humanité, et vous avez indiqué que cela supposait une démarche qui aussi supposait peut-être qu'on resitue le parcours de l'individu de façon plus globale avec l'histoire de la société dans laquelle il a vécu. Il est courant dans certains pays occidentaux procéder à de telles expertises. Ceci est sans doute beaucoup plus rare au Cambodge et même peut-être devant d'autres juridictions internationales. Est-ce que vous pourriez nous dire, puisque vous avez une certaine expérience en la matière, quel est l'intérêt, au-delà de ce que je viens de rappeler, de ce genre d'expertise? Quel est l'intérêt pour la justice? Quel est l'intérêt pour les parties? Bien, tout d'abord, Monsieur le juge, Mrs. Françoise Cironi-Guilbault, vous le savez, bien sûr, nous avons répondu explaining the life course of a man
par les seuls éléments so liés à la petite enfance ou des déterminants intrapsychiques et très souvent factors. And on ne prend pas en compte aussi one does not take into account all the external elements, the repercussions of these elements. And I think it is indeed very important to know the expertise need to articulate the collective history and the individual one. I don't know whether my colleague wishes to add something. It's all right, says Mr. Cette évaluation, cette expertise psychologique, puisque curieusement, il n'y a pas dans l'intitulé en tout cas une référence au côté psychiatrique, n'a évidemment pas de valeur thérapeutique. Ce n'est pas sa finalité première. Mais pour autant, vous avez dit que vous avez eu de nombreux entretiens, que vous avez constaté une certaine évolution. Alors, peut-être un peu curieux de commencer par là, mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez que cette expertise a eu un impact sur l'accusé et éventuellement, quel type d'impact cela a-t-il eu? Peut-être qu'on va répondre à deux. Mrs. Seroni-Gilbo, maybe we'll be two to answer this question very briefly to start. La question nous a, nous la sommes posée. Asked ourselves this question. Il a peut-être été difficile pour nous de distinguer l'impact de l'expertise impact of psychologique que nous avons psychological assessment de l'impact that we carried de l'ensemble from the impact de la procédure, parce que il a été, je veux dire, il était devant la cour tous les jours. He was before the court every day. He saw us at specific moments a week with a month's interval last year, to weekends. Personnellement, je pense que c'est personally, I believe that it is more the impact of the whole of the procedure. Ce qui se passe toujours now, dans toutes les expertises psychologiques et à laquelle nous veillons, we watch over this carefully is not the accused don't know the questions that the co-investigating judges have asked us to ask. And something else that we watch over is à ce que les accusés puissent ne pas répondre en fonction de ce qu'ils pensent devoir être juste par rapport à leur situation, puisqu'il ne s'agit pas d'un accusé, d'une personne qui a été arrêtée, c'est aussi une personne qui a une stratégie dans le cadre de justice. I would say this is the case in all psychological assessments. Pour répondre the therapeutical issue, to come back to your question, sir, l'expertise n'a pas cet the objectif, assessment does not have this objective for this purpose, but it is perceptible. Et je voudrais ajouter que au fur et à mesure, nous avons entretenu avec le détenu, d'après l'analyse de son comportement, nous ne trouvons pas les impacts de nature négative sur l'accusé. Mais au contraire, il se montre, comment dirais-je, le bienvenu chaque fois qu'on le voit. This as being welcome voilà, every time that we meet with him.
Oui, vous avez dit au début de votre expertise que l'accusé s'était montré extrêmement coopérant en tous les cas à cette mesure, que c'était quelque chose qui lui avait paru important. Vous avez également dit, me semble-t-il, qu'il était parfaitement informé aussi du caractère judiciaire de la mesure. Vous savez qu'un rapport serait remis au juge d'instruction et que ce même rapport serait également notifié aux parties. Tout ceci lui a bien été expliqué, lui a bien été dit. This was explained to him clearly, is that right? Alors, je l'ai dit dans l'intitulé, il n'y a pas une référence au côté psychiatrique, qui est pourtant important. Vous nous avez dit dans le cours de votre rapport que l'accusé est quelqu'un qui ne présente aucun trouble d'ordre mental. Alors, je voudrais éventuellement que l'expert psychiatre puisse nous confirmer qu'il n'y a effectivement aucune affection d'ordre psychiatrique qui aurait pu affecter la conscience ou entraver la conscience de l'accusé. Et peut-être, si je peux me permettre, le plus simple serait que vous puissiez vous exprimer en cambodgien. Easier for you to express yourself in Cambodian in Khmer. Dr. Kasson Bonnat, I would like to indicate that during the interviews, je peux vous dire que durant les entretiens avec Doc, during the first interview, et notamment lors du premier entretien, were endowed in his background from the very beginning. Et some kind of terrifying circumstances, the moment that can really harm, could really harm his life, and he faced these situations on several occasions. However, Dutch could manage to have these problems resolved, gérer ces situations et leur trouver une résolution any problem, sans problème particulier. In particular, when he je songe en particulier was sent to the detention facility and having been at the detention facility, détention, he shows his attitude, période pendant laquelle the behavior that suggests that il a fait preuve d'un comportement feels fear or he has experienced some kind of depression, dont il ressort qu'il a éprouvé une certaine dépression, une certaine peur about the truth. And to make sure that we want to make sure Deutsche does not lie to us, nous avons nous assurer que Doc ne nous mentait pas, hein, et nous disait la vérité. We conducted the first research with Mrs. François Zirconi Guilbault, and we found out that in the medical report there has not been any. Nous avons constaté qu'il n'y avait aucun signe dans les rapports médicaux concernant Doc report, de problème. Which can be concluded that Mr. Dodge has not been affected by any psychological problem that leads to problèmes psychologiques the severe distress et des troubles graves de la personnalité. C'est ce et il en est fait état dans notre rapport. I have verified the situation and proved that he has not been physically or psychologically affected. Et j'ai pu constater qu'il n'y a pas d'impact psychologique à ce stade sur l'accusé.
Donc, vous nous confirmez que c'est quelqu'un qui n'a pas, par exemple, de phénomène hallucinatoire, il ne connaît pas ce genre de problème, quelqu'un qui est bien ancré dans la réalité, qui sait ce qui l'entoure, c'est la réalité des gens qui sont autour de lui, il n'a aucun problème de perception. C'est bien exact. Is that correct? Response. According to the statements and the account of Deutsch, he d'après les explained procès-verbaux et d'après ce qu'a pu dire accounts of his childhood and he drew the reasons why he d'après ce qu'il dit aussi des chose raisons pour lesquelles chose to follow the communist il a choisi ideology, de s'engager dans le combat pour le communisme. I experienced and encountered the same situation, and his account was appropriate. And je constate qu'il y a it cannot be cohérence dans son récit et que l'on peut y voir l'effet d'illusion. Alors, je ne veux pas revenir sur l'ensemble du rapport, mais peut-être sur quelques points particuliers pour essayer d'apporter des précisions, puisque votre rapport me paraît déjà assez clair. Il a été question d'un... vous avez utilisé un mot qui est peu fréquemment utilisé, qui est l'alexithymie. Vous avez indiqué qu'il s'agissait d'une incapacité, j'espère que j'ai bien compris, une incapacité à ressentir des émotions et aussi éventuellement à en exprimer. Alors, peut-être pourriez-vous définir un peu plus précisément de quel type d'émotion il s'agit, puisque aussi dans votre rapport, il a été question de ce que vous avez appelé des émotions d'ordre politique. Notamment, vous avez parlé de ces émotions politiques qui pouvaient être suscitées par des sentiments d'humiliation, de colère, éventuellement qui peuvent générer des désirs de vengeance et qui peuvent avoir des conséquences. Donc, de quelles émotions parlez-vous quand vous dites qu'il y a une incapacité à les ressentir et les exprimer. This inability to feel and express these emotions. Les émotions dont il est question, qui ne peuvent être ressenties, ce sont des émotions, concernant donc concernant sa propre subjectivité, notamment des émotions de compassion, peut-être des émotions concernant la souffrance ou la douleur des autres, mais la sienne others, également, c'est-à-dire des émotions, la peur, such as fear, je pense aux émotions and I'm thinking here of emotions, effectivement de oui, de souffrance, je pense. Alors, on dirait la souffrance, suffering. Ce n'est pas une émotion. Say that suffering is not an emotion. C'est le fait de ne pas avoir accès à ces ressentis intérieurs. D'éléments qui marqueraient une certaine fragilité, qui montreraient une certaine faiblesse, une certaine fragilité de l'individu.
ce ne sont pas forcément dans son cas à lui. Raison, l'alexithymie peut désigner toutes les émotions. Quand on prend la définition du terme, peut-être là, il aurait été important de préciser quel type d'émotion. Puisque certaines émotions, notamment comme la colère, ont pu être ressenties, je ne dis pas au cours de l'expertise, qui desservent ce que l'idée que le sujet a de sa personnalité. Je rappelle aussi que nous avons beaucoup insisté sur la fabrication de l'homme tempering sous le Khmer Rouge, comme d'une nouvelle psychologie, like aussi, mais nous avons parlé aussi du passé. Tout n'est pas attribuable à cette période de sa vie. Of his life. Sa jeunesse, son adolescence, a été marquée par un fort attrait vers le stoïcisme, je vais le rappeler là, et donc déjà, la source, alors quelle est la cause? C'est probablement aussi une réaction contre des douleurs, des déceptions qui étaient trop vives et qu'il s'agissait de chasser de sa conscience en adoptant, en adaptant un comportement, une philosophie, un idéal, Ceci concerne l'alexithymie. It is related to our Cambodian tradition and custom. Dans notre culture, because in general, our children un concept are educated. En effet, les enfants sont normalement éduqués de manière à ce qu'ils n'expriment pas leurs difficultés. Suffering, because it is a kind peine. Of way to tell people to know our weaknesses. So parce que that's why le faire, we are educated c'est not faiblesse. To reveal our donc, weaknesses. Nous, en tant que Cambodgien, and nous there is a slogan that it is better to faiblesse. Be quiet than to talk. On nous dit il vaut mieux être silencieux que parler dans ce cas. Because being quiet means se taire. We don't really pose any challenges to other, but it means like we are not coward or we don't give in anywhere by being quiet. En quelque sorte, on ne renonce pas. As a boy, a son in particular in ainsi, Cambodian society, un petit garçon, everyone is supposed to un fils dans be la société cambodgienne est censé être fort. And that we should not or are not supposed to voice our difficulties or il n'est pas censé se plaindre and montrer ses faiblesses maintains the stoicist theory donc, fait cela notamment en adhérant au stoïcisme. According to his studies, he encountered an article donc, about il a dit qu'il in avait French, trouvé un article en français, un poème en français, La mort du loup, poème qu'il aime citer. This article inspired et him ce poème a lot. L'a it makes him inspiré. Really stay put to follow this theory et c'est from the text. Et c'est, on est toujours tenu aux préceptes contenus dans ce poème. In addition, every communist
believes that de plus, communist follower would be supposed as the absolute tools for Anka and the party. Les disciples du communiste au Cambodge étaient censés être les instruments absolus de l'Ankar et du parti. Therefore, when someone is assigned or appointed to the position, si regardless of poste, the fonction, duty is very difficult or dangerous, then the person has not or is not supposed to complain, and then he has to obey the orders and receive the assignments. Et s'acquitter de la mission qui lui était donnée. During the Khmer Rouge regime, sous le régime I can observe Khmer that through my the treatment I have offered to the people who survived the regime, those would say that during the time when they encountered que great difficulties, they chose to be quiet but not to complain. Ces personnes ont aussi décidé de ne pas se plaindre et de rester silencieux, de se taire sur leurs difficultés. I therefore par conséquent believe that this alexithymia je crois que cette alexithymie is linked to both the Khmer history and its culture and customs. L'histoire est aussi liée à l'histoire et à la culture Khmer. Pour résumer, peut-être, est-ce que l'on peut dire que en ce qui concerne l'accusé, celui-ci, de par son histoire familiale, sa culture, son éducation, sa rencontre avec le communisme, c'est en définitive interdit tout ressenti personnel. Et que les émotions qu'il pouvait avoir devaient être celles qui correspondaient soit à l'idéal communiste, soit à ce que l'on attend de lui dans la société. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez nous dire? Oui, en quelque sorte, c'est ce qu'on on pourrait le dire ainsi. That it could be expressed in that way. Je tiens à dire aussi, monsieur le juge, que l'expertise, nous avons eu beaucoup d'entretiens avec l'accusé. Certes, ce qui était important pour nous aussi, c'est d'établir véritablement une analyse de sa biographie avec cette articulation des différents éléments. Je tiens à dire que dans toutes les expertises, véritablement arriver aux racines et si on devait vous raconter, pouvoir raconter devant la cour à quel moment, comment les choses se sont passées en détail, nous serait difficile parce que ce type de récit, nous pouvons le faire avec certitude que si l'accusé n'était pas accusé, était au cours d'une psychothérapie ou d'une analyse, donc nous avons, il y a certainement un certain nombre d'éléments inconscients auxquels nous n'avons pas accès. Elements to which we do not have access. Alors, mon autre question est la suivante, c'est pour autant un individu qui présente cette caractéristique est-il dans l'incapacité complète de ressentir la souffrance de l'autre? Que ce soit la souffrance physique, qui peut être parfaitement, semble-t-il, évidente, mais aussi la souffrance psychique ou psychologique. Oui.
Oui, assurément, Monsieur le juge, mais ceci ne tient pas uniquement à la lexithymie, cela tient également à d'autres facteurs dont nous avons parlé, le clivage, d'autres éléments, d'autres mécanismes de défense, ou des mécanismes d'adaptation à un contexte de terreur. Je tiens à dire que là aussi, si on n'est pas bourreau, on n'est pas non plus alexithymique. Je pense que c'est un processus qui était à la fois désiré par le sujet et il a rencontré des cadres extérieurs dans lesquels cette manière d'être au monde était fortement valorisée. Oui, c'était aussi un peu le sens de ma question à venir. Est-ce que l'accusé a tiré un bénéfice de ce processus de fabrication qui a fait ce qu'il est ? Est-ce que, d'une certaine façon, il n'a pas aussi participé très activement devenir ce qu'il est devenu ? Je peux vous répondre du point de vue de la personnalité de l'accusé. Uniquement de ce point de vue-là, me semble-t-il. Il y a une part, probablement une part consciente, bien sûr, d'avoir d'adhérer à un idéal. Vous parliez de bénéfices. Je dirais probablement aussi une satisfaction. Let's say there was maybe satisfaction. À devenir, par exemple, courageux, for example, courageous, tel que certaines caractéristiques étaient décrites dans un certain système, ou dans sa propre conception de ce qu'est un homme, or in his idea of what it is to be a man. Voilà, je vous réponds du point de vue de sa personnalité. So I can answer from the standpoint of his personality, yes, to this question. Il n'y a pas de, comment dire, There is no, how should I say this? Bien sûr qu'il y a, of course, y a un désir de devenir celui qu'on est. Conscience, cette fabrication ne s'est pas faite de manière non consciente et non participative. In the shaping process, of course, did not happen. Of course, he did participate in the shaping process. It was not done in a completely divorced way from his personality. Yes, of course. Donc, est-ce qu'il y avait aussi chez l'accusé une conscience qu'il était lui-même un actif membre de cette grande opération, vous appelez, je crois, de déconstruction, reconstruction. Il a été à de nombreuses reprises question de la formation. Quelque chose qui est important, me semble-t-il, pour l'accusé qui a passé d'enseignant qui aime enseigner, je pense, mais qui nous a expliqué qu'il avait, par exemple, fait des choix très précis quant à aux personnes qui lui paraissaient les plus aptes à devenir de bons interrogateurs, par exemple. Il nous a dit que il avait cherché à recruter des garçons jeunes, young boys, autour de 15 ans, aged around 15, des garçons qui étaient, je crois que c'est son expression, comme des pages blanches sur lesquelles on pouvait écrire. Alors, conscience, utilisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? What can you tell us in relation to all of this? Professor Sironi Guilbault. Je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux, conscience et utilisation. Je veux dire, je suis là, je ne peux faire que des
des hypothèses, vous livrer des hypothèses. Cette question-là n'a pas été abordée au cours de l'expertise psychologique. The psychological assessment, you see. Un individu qui est un pédagogue et qui est qui a un idéal, qui participe à cet idéal, and je pense que les talents de pédagogue existent là où l'on est. Et je pense qu'il a utilisé ses capacités de pédagogue et il a lui-même ses capacités de pédagogue probablement aussi dans d'autres fonctions d'enseignement, de transmission, de formation. Il tient aussi à rappeler qu'il a lui-même été formé, enseigné par un psychopédagogue, Expert, I would like to add to my colleague. Monsieur Kasmolat, j'aimerais ajouter in par rapport à ce teacher of mathematics, en tant qu'enseignant de mathématiques, before Deutsch, went out teaching, he avant, was trained in the pedagogical area, son activité d'enseignement, and psychological area, Duke and that made him understand dans le domaine the psychology of the children, psychologique et dans le domaine pédagogique. Cela lui a permis de comprendre les mécanismes à la fois chez l'adulte et chez l'adolescent. Tout à l'heure, au cours de votre exposé, vous avez dit que l'accusé ne présentait pas de perversion. Vous nous avez expliqué que vous entendiez le mot perversion dans un sens tout à fait particulier. Peut-être que vous pourrez le réexpliquer tout à l'heure. Vous nous avez pour autant dit, si je ne me trompe pas, qu'il y avait une question éventuellement de perversibilité. Je crois que c'est le terme que vous avez utilisé, perversibilité. Perversibility, quote unquote. La question que je me suis posée à la lecture de votre rapport, notamment à la page 60, vous avez dit ceci, Duke participait activement à cette entreprise de déconstruction-reconstruction. À S21, on faisait écrire aux victimes des aveux qui étaient parfois complètement invraisemblables. Et Duke unbelievable, le savait. And Duke knew this, which had no veracity. Pour and, déshumaniser and, la victime, lui enlever son identité et la remplacer par une identité nouvelle, and replace it with a new totalement identity falsifiée, that was completely falsified, mais conforme but à ce qu'on attendait qu'elle with, soit. With what we were alors, it to est-ce be. Que so, cette approche qui est une approche dans la falsification, a method of falsification. Est-ce qu'on n'est quand même pas proche d'un mécanisme un peu pervers, a rather perverse mechanism here? Et est-ce que tous les cas pour ceux qui l'ont subi devoir isn't alors the fact qu'on est éventuellement, entre guillemets, innocent, reconnaître qu'on est coupable, innocent, est-ce que ça finit pas par être guilty, quelque chose de complètement pervers being something that is completely perverse? Mm-hmm.
Oui, je comprends. Professor Cyril Nicolbeau, yes, of course, I understand question, your question very well, Judge Laverne. C'est vrai que la querelle des la querelle des mots existe, je m'en explique. Issue on the signification of words does exist, and I would like to get back this. Yes, I'd like to repeat first of all that we're not here on n'est pas là pour justifier, to on n'est pas là pour justify what he did. Enfin, je tiens quand même and I would like to stress this again as an expert. C'est pas notre rôle. That's not our function. Alors, on n'est pas dans le cas d'une perversion au sens où elle est entendue dealing with a perversion as it is traditionally understood with a sexual element to it. No. On pourrait parler we de could perversité, speak about perversity, yes, because the concept en français, exists in French. Ce n'est pas ce n'est pas un diagnostic. It's not, it's not the result of a diagnosis, but we speak about perversity when there are a certain number of elements present in the mind of a subject, in particular denial, splitting, manipulation, control, fascination, trying to please the people around you, son propre bénéfice, trying to do this for your own benefit, for your own personal enterprise. Il est évident, it's obvious, je là, as I was saying earlier, that given all these elements, we could indeed bring up the notion of perversity. But where there is, however, an issue for psychologists and clinical psychologists is the question of whether it is et comment on shaping. La perversité peut être un, c'est un perversity constat. Is an observation, mais yes. But très vite, il faut savoir very d'où elle soon vient we have to know where this perversity comes from. Mais une perversité n'existe perversity pas en tant que telle. Does not exist as such. Et on va rechercher and we're going to therefore try to look for what led and what leads an individual to behave in such and such a way. Dans l'exemple que in the example that you mention from my report, of course, we could bring up this concept. Qui était aussi which la manière was de, also la manière de fonctionner the way of, dans ce lieu. Of operating at S21. Je suis pas une historienne, I'm not a historian, but I'm not an expert of the Khmer Rouge, so I don't want to go too far here. Voilà. But I think it could be seen as an example, indeed, of what I was describing as perversity. Alors, Judge Laverne, so, on a aussi, il a été question aussi de ce que vous appelez des mécanismes de défense. Vous avez fait référence juste à l'instant, du déni, du clivage notamment. Est-ce que il s'agit de clivage quand it, il s'agit de mise à distance? Donnez un exemple. Pour l'accusé, tout au long de ce procès, il a été extrêmement important de dire qu'il n'avait pas personnellement participé à des actes de torture. Torture, entre guillemets, qu'il n'avait pas personnellement tué l'individu. Et il nous a cité un exemple qui me paraît peut-être, sur lequel il me paraît peut-être important de revenir. Il dit qu'un jour, Nunchea lui avait demandé de prendre des médicaments et de les tester sur des prisonniers. Ces médicaments pouvant être éventuellement du poison. This medicine qui could have eventually been à commettre un attentat. Poison that would have been used il nous a expliqué qu'il avait pris ces médicaments. C'était des gélules, si j'ai bien compris. They were pills, I believe. Il en a vidé le contenu et remplacé par une substance neutre. Il avait ensuite lui-même distribuer ces médicaments de façon tout à fait consciencieuse et que il était relativement satisfait de pouvoir nous dire quite happy to say to us que bien évidemment indeed,
les intéressés n'étaient pas morts par la substance qu'il avait personnellement administrée. Mais il y a eu ensuite une autre question, savoir est-ce que ces individus ont survécu. Et en fait, il a expliqué que comme toute personne détenue à S21, ils ont été exécutés, écrasés. Alors, on est dans quel registre? Le clivage, on n'est pas dans le déni, dans la mise à distance, dans l'occultation. Comment on peut, d'un point de vue psychologique, comment on peut analyser ça? Alors on peut Professor Cyril Nigelbo, well, we can pas trop parler de trop de concepts, mais on parlerait là, on pourrait well, I don't want to bring up too many concepts, but we can bring up the concept of negation, nier purement et simplement denegation, l'existence more même precisely, d'un acte, perfectly denying, la dénégation, c'est reconnaître partiellement sa participation. Denegation is acknowledging partially your participation in acts and in facts, but by trying to justifier. Donc, to justify yourself, however, so it's a partial acknowledgement of reality or of the facts. Dans l'exemple in que the vous example donnez, that you mention, compare this with what might happen sometimes in other cases, which is to say, well, at the beginning you might be in a state of denial, and then when evidence is brought to you, then you move on to denegation, and then you move then to self-accusation. And it seems to me that these are elements that we have perceived lors de la réactualisation, during the reenactment in particular, there were very many sessions, and we also there was a retranscription of the reenactment that we became aware of, and what we saw also. Je sais bien, je réponds là à votre question personnelle. Je vais élargir aussi à ce qui est perceptible chez l'accusé. State that yes, indeed, I perceive these three phases in the accused, that is, say, denial, denegation, and then self-accusation. And therefore, he keeps on saying that I am a criminal, etc. So this is a process indeed, and this might be a way of not yet accepting or not being able to accept totalement completely these realities. So it's a psychological mechanism, ça peut être une manière which might be a way of de se cacher une partie de la hiding soi-même. A part of the truth to yourself. D'une façon assez intéressante, je crois que tout début d'expertise, vous avez demandé à l'accusé de vous indiquer le nombre de personnes qui avaient pu être tuées, par exemple, à S21. Vous avez dit que dans votre rapport, ça avait été quelque chose de compliqué pour Duke d'évaluer cela, alors que c'est quelqu'un qui a des capacités, une intelligence qui sont excellentes. Est-ce que là aussi c'est symptomatique de ce processus déni, dénégation, auto-accusation? Ça participe de la même processus, this inability to remember, the selective memory?
Oui, je pense que yes, Professor Sioni says, yes, indeed, I believe that this is part of the same process, indeed. C'est vrai qu'au début, it's true that at the very beginning of our assessment, when we saw the accused, there was a certain amount maybe of méfiance, distrust, we can say, vis-à-vis us, because we are indeed dealing donc, with a context of justice here, so, so he was extremely distrusting and he was maybe trying to minimize maybe the figures that he probably very well knew, in fact. Voilà, mais so ce que je tiens à what dire, I would like to say aussi, is that here again, évoluer, things have changed, and I believe that my colleague agrees with this, aussi, and we have been able to see indeed this mechanism, denial, denegation, self-accusation, aussi, but that this mechanism has changed during our sessions, and recently indeed he proved to be much less in a state of denial and be much more confident in me and showed that he was able to bring up a certain amount of elements linked to his own life and expressing remorse, which were not present at the start. Alors, Judge Lavergne, une autre chose qui peut être aussi compliquée à comprendre dans la personnalité de l'accusé, je ne sais pas si vous avez utilisé ce terme-là, mais c'est l'ambivalence. C'est-à-dire que, me semble-t-il, on a quelqu'un qui tout à la fois peut exprimer du dégoût, de la honte pour ce qu'il faisait et qui dit l'avoir ressenti au moment des faits, tout en même temps quelqu'un qui peut-être a fait preuve de zèle ou s'est comporté dans une certaine surenchère. Alors, est-ce que cette ambivalence est quelque chose que vous avez effectivement perçu et comment peut-on l'expliquer? Professor Sironi Galbo, well, the ambivalence is a result is that two contrary elements coexist in the same person, which is and coexist maybe in a quasi-consecutive way. We can explain this by first a need. Une série de facteurs qui sont un besoin d'appartenance, a need for affiliation, fort, strong need for affiliation, that we see in the accused, l'obéissance, obedience indeed, which is also very important. Il était dans un rôle, dans une fonction de police, fulfilling his role, et donc no la questions question asked, il y a d'une part, il pourrait y avoir. So, la question, d'un côté, so there can be indeed on one side obedience, as I'm saying, obeying orders, the fact that therefore of belonging to function in a system, and on the other hand doubts, doubts which would account rather for well he was not able to quiet his doubts, donc, let's say. Si les deux, so if pas dans sa tête à ce moment-là, mais si les deux éléments sont présents, c'est tout à fait possible. It is therefore perfectly possible in humaine. Et ce zèle, c'est-à-dire plus on peut avoir psychology. Un dégoût and d'un so côté, we can have plus il disgust peut y avoir and at the same time zèle, zeal, ou excès de zèle, or excessive zeal on the other side, because we are trying here against all odds to demonstrate your allegiance, one's allegiance to a party or to ideals or to a hierarchical superior whom we may admire, for example, Sun Sen or his other superiors. I don't know if I answered your question, but maybe. Do you want to add something? Je
je peux rajouter quelque chose à propos de ces deux éléments. Regarding both of these elements, zeal and disgust, therefore, that normally speaking, everything had been orchestrated to quiet these doubts. Il peut y avoir, je parle là vraiment de manière générale. Lorsqu'on est dans une situation d'ambivalence, in a situation of ambivalence, what happens? On ne reste pas dans une situation d'ambivalence. We cannot remain for a long time in a situation of ambivalence, and therefore we find coping mechanisms and exit solutions, and we either swing to one side or to the other, and that is when denial comes into place. Of course, it's not conscious, but that is the psychological functioning behind this. And in this case, well, zeal partakes in this. That is to definitely to quiet absolutely what we cannot accept, and this. Factor is going to lead to justifications to quiet indeed disgust and what we cannot accept in ourselves. Or if we cannot get out of this ambivalence, well, then there is a risk, well, physical illness, that's the result maybe, some kind of physical escape or depression. Or illness, mental illness, yes, which indeed is not the case here. I think that with Dweck we were dealing more with trying to build denial in order to get out of the situation of doubts which he could not handle. Une question qui s'adressera peut-être plus au professeur Kasun Gwanat. Il me semble qu'il y a un mot que l'on retrouve à plusieurs reprises dans votre rapport, et c'est un mot qui me semble-t-il qu'on a entendu aussi à plusieurs reprises dans ces audiences. Ce mot, c'est le mot sacrifice. Alors, il a été question de sacrifice de la part de l'accusé quand il a dit « Quand je me suis engagé dans la révolution, j'étais prêt à me sacrifier pour une cause noble, pour le bien du peuple. » Il a été question de sacrifice aussi dans le fonctionnement même de S21. Il est question de sacrifice quasiment, enfin de sacrifice humain pour construire les fondations de éventuellement une nouvelle société. Et puis, il a été, me semble-t-il, un petit peu question de sacrifice, même si ça n'a pas été exprimé comme ça, par l'accusé lorsque nous a indiqué que peut-être s'est présenté comme ça, et peut-être que je l'ai interprété comme ça. Il s'est présenté comme celui qui était prêt à se sacrifier à la réprobation sociale, à la réprobation de ses concitoyens. Il a dit « Je suis prêt à être montré du doigt, je suis prêt à être puni. » Voilà, donc... on retrouve dans des circonstances différentes. Mais est-ce que le sacrifice est quelque chose qui existe et qui est important dans la culture cambodgienne? Et est-ce que, généralement, en ce qui concerne l'accusé, ça a une signification particulière? Does it have any kind of particular signification for the accused? Monsieur Kasun Gwanat, je voudrais répondre de cette façon à votre question, monsieur le juge. If I understand correctly, the question is the sacrifice. Votre question porte sur le sacrifice by the accused. De l'accusé. In the Cambodian culture and tradition, dans la culture et dans la tradition cambodgienne, we received our education from our parents. Ce sont nos parents qui nous éduquent. From society, c'est la société. From the school and from the Buddhist religion, l'école, ainsi que la religion. And that we have bouddhique. The responsibility to share what we have. Et
with those people around us. De partager ce que nous avons and not avec ceux only qui nous entourent, we share what we have, pas seulement but partager also ce we que have nous to sacrifice également, nous devons sacrifier to help the poor, nous devons the dead, le sacrifier pour aider les pauvres, pour aider ceux qui in sont our saying, dans le besoin. The intellectual maintains his ignorance and the big ship rescues the small boats. Maintient l'ignorance this et is le grand bateau a notion for us au petit to bateau. Sacrifice ceci indique and assist the poor and not just to give value to self. Pauvres, et également que nous devons ne pas mettre en avant la valeur de notre propre identité. However, in the communist movement, the term sacrifice dans le cadre du mouvement communiste, has le terme sacrifier more weighty meaning than the cultural meaning. Plus in order for the communist movement to de manière à ce que le mouvement communiste puisse the incumbent government battre they had to fight physically fight against them and they had mouvement to face the challenge of on doit life par and une death situation lutte, par un combat et on doit se retrouver face à une situation de vie ou de mort. Therefore, in every case of joining the communist movement, they realize that they have to sacrifice their lives for the passe par une réalisation noble cause, que for the movement. Doivent sacrifier leur identité pour un mouvement et une cause noble. This means to sacrifice one's life, one's interest, sa propre vie, ses to overcome all the obstacles, afin de surmonter tous les obstacles, even if it means si one has to give up his own life. On doit perdre sa propre vie. And this is for the cause of the communal benefit for those people who suffered in pour the community. De la collectivité. On passe par ce sacrifice. That is the general term of sacrificing oneself in joining the communist movement. Savoir se sacrifier. Et c'est ce que l'on entend par le fait lorsque l'on rallie le mouvement but communiste. Also in that regard, mais également especially à cet in égard the term in the specific situation of S21, situation the sacrifice S21, le sacrifice is rather different. Et de nature, I myself is not an expert in dealing with S21 situation. Moi, je ne suis pas expert dans and le domaine de S21. The notion of mais sacrificing notion oneself or one life for the cause of S21, pour for what purpose, is la question de savoir à difficult quelle fin for me to understand. Il m'est difficile de comprendre dans quel but se sacrifier. Il y a, me semble-t-il, Judge des sacrifices Laverne, qui sont des sacrifices volontaires, plus ou moins volontaires, enfin, qui sont le résultat d'une démarche. Say, et puis il y a les sacrifices qui sont ceux qui sont imposés à des victimes. Est-ce que cette autre forme de sacrifice est aussi quelque chose qui existe dans la tradition cambodgienne, dans la culture cambodgienne, quelque chose qui parle des sacrifices humains, notamment enfin, de
I may not fully understand the question in relation to human sacrifice, the sacrifice imposed on the victims. Could you please elaborate the question or rephrase it? Peut-être la reformuler. Je pense que vous avez expliqué de façon tout à fait pertinente et intéressante que on pouvait se sacrifier et quel était le sens du sacrifice quand on adhérait au Parti communiste. C'était tout à fait, mon avis, intéressant. Mais quand on parle de S21, il a aussi été question du fait que ça serait une machine à sacrifice. Je crois que c'est l'expression que vous avez, semble-t-il, utilisée dans votre rapport. Et ma question était de savoir si cette pratique de sacrifice qui ne sont pas cette fois-ci une démarche volontaire mais une démarche quelque chose qui est imposé pour reconstruire pour fonder une nouvelle société, est-ce que cette démarche-là est quelque chose qui existe ou a existé dans la tradition de la culture khmère? Response. The type of sacrifice at S21, as you indicated, that it was done voluntarily or at will, I think this kind of situation did not happen before. Non, we had a kind of humanitarian sacrifice, the sacrifice to save the lives of other people, the sacrifice to rescue or to help is the burden of the people who lived in poverty or who had encountered difficulties. However, the sacrifice at S21 is unprecedented. And the principle of sacrifice is supposed to be following the norm of ethical norm or Buddhist way of caractéristiques de la religion bouddhiste. Il y a enfin une autre question qui est importante, which is, important, en tout cas pour peut-être les victimes. At any rate for the victims. Cela concerne les regrets exprimés par l'accusé. L'accusé a de très nombreuses reprises à exprimer ses regrets. The accused expressed his regrets. Et vous avez dit que la question de leur sincérité ne vous paraissait peut-être pas une question tout à fait pertinente parce qu'on était au-delà quand on devait aborder ce problème des regrets. Et vous avez dit, me semble-t-il, ceci, il s'agit pour l'accusé d'un choix qui est le choix de se réaffilier à la communauté des humains la plus forte, à choisir des groupes d'appartenance puissants. Et vous avez indiqué que, par exemple, pour l'accusé, ces groupes puissants pouvaient être représentés par la communauté chrétienne, par le monde occidental, voire par l'univers de la justice internationale. Ma question est la suivante, est-ce que ça veut dire que pour l'accusé, il lui est toujours impossible d'exister sans pouvoir être rattaché à une communauté? Il ne peut pas exister en tant qu'individu, il faut nécessairement qu'il soit membre d'une collectivité. Et est-ce que par ses regrets, il cherche à intégrer cette collectivité? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire?
Alors je dirais que de manière générale, nous avons tous une ou des communautés d'appartenance. Lorsqu'on a des sujets singuliers, nous appartenons au groupe de personnes qui pensent que nous sommes des individus singuliers et que le groupe n'a pas d'importance. C'est plutôt une manière de penser en Occident, par exemple, d'être des individus singuliers, alors que ici ou dans d'autres cultures, c'est l'appartenance familiale. Belonging pour revenir au cas de Dutch, belonging to a family, to come probablement back to Dutch, que pour lui, probably for him, il ne vit pas sans idéal et sans croyance. Without an ideal and without belief. He said à plusieurs reprises, et puis said this time and again, c'est pas simplement de le dire, mais nous l'avons compris aussi à travers l'analyse de sa biographie, sa psychologie. Il y a deux choses qui sont importantes. De croire en quelque chose de transcendant. One, to believe in something that is transcendent. And en tout cas, c'est une chose, voilà, c'est ça qui est important. At any rate, that is one thing that et is après, important. Du coup, cela l'assied dans une communauté. Then nous avons compris, nous semble-t-il, à analyser aussi tout particulièrement ce qui a été abordé la semaine dernière. C'était très clair, c'est qu'il a changé, il a changé namely, de groupe après l'appartenance au communisme, où il n'était pas question d'individualité, où il s'agissait véritablement de nier toute individualité. Il a ensuite choisi un autre groupe. Alors, ce choix, il était mûrement réfléchi. Ceux qui ont vaincu le communisme, c'est les chrétiens. Donc, pour lui, il était logique de choisir ce groupe. Mais je ne dirais pas que c'est forcément la raison essentielle. Et ce qui est intéressant, si on peut dire, dans le cheminement de l'accusé, c'est le choix d'un groupe, certes, mais d'un groupe où c'est l'individu singulier qui existe. Parce que dans la religion chrétienne, ce n'est pas le groupe, mais la communauté chrétienne, mais chaque individu a un lien direct avec son Dieu, avec his God. Et donc là, on sort complètement, therefore, on change complètement de système. Changing communisme, communism was the individual who disappears, but here he finds he affiliates to a group where, on the contrary, it is a subject that exists in his union with God. And you were mentioning, alluding to the question of therapy. I believe that this life course, this approach, probably had a therapeutic outcome for the accused. Voilà, j'aurais juste une dernière question. C'est la dernière phrase de votre rapport. Vous avez dit ceci: nous espérons que cette expertise psychologique en matière de criminalité politique aura permis de faire comprendre le parcours qui mène un sujet singulier à perdre sa conscience de sujet. Et ce, quelle que soit sa culture, par conviction, par soumission, par acceptation de modes d'exercice du pouvoir, par peur et par besoin d'appartenance. Donc peut-être pour bien clarifier les choses, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez la perte de la conscience de sujet? Qu'est-ce que ça veut dire? La perte de la conscience du sujet. Loss of awareness of being the subject. Touche. This is the answer of Professor Gilbo. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Everything au sacrifice. That you la perte de la conscience du sujet. Sacrifice. Loss of the awareness of being a subject. Être dans des circonstances. Means being in circumstances. Accept to be l'individu within them. S'efface, n'existe plus au bénéfice d'un.
to the benefit of the collective. There are dangers in this. Il y a aussi discussion en la matière. And yet there is discussion in the matter, because if you take into account cultural matters, in certain cultures, cette discussion doit paraître étrange. This discussion may seem rather strange. C'est peut-être la conclusion est de type peut-être plus compréhensible. The conclusion is probably of a kind which is more understandable to a Western tradition, because the notion of the subject, the awareness of the person as a subject, is very important in certain parts of the world and lesser so in others. And I would also add, and you mentioned this, and this was not put in the report, was the fact that the watchdog, as it were, against sacrifice, individuality and awareness of the self, that which protects is not belonging to only one group, but to have a multiplicity within oneself. That is to say, you can be judge, father, footballer, soccer player, just giving you a variety of examples. That is the multiplicity of belongings. And the great danger from a psychological standpoint is the reduction of an individual to one single affiliation, one single sense of belonging. And that is where all types of dangers may occur. We're open to all kinds of danger. Voilà, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Je n'ai pas de questions à poser à Madame l'expert et à Monsieur le professeur. The President, since it is now time to take le moment est venu de suspendre l'audience pour la pause déjeuner. Nous reprendrons à 13h30. The security personnel are now instructed to take the accused to the detention facility and return him to the courtroom by 1 p.m. The crowd shall all rise.